êtes une bande d'abrutis. Un casting toujours aussi mortel pour exécuter un nouveau contrat délirant. Il s'agit de ne plus jamais avoir à travailler pour qui que ce soit de notre équipe, devenir nos propres patrons. Kidnapping. Bah, ça le fait, kidnapping. Avec un deuxième P, ça le fait. Un. Vous avez essayé de tuer vos boss. Il y en a même un qui est mort dans l'histoire. Et maintenant, vous voulez commettre un kidnapping? Vous êtes les trois criminels les plus foutrement tordus que j'ai jamais rencontrés de ma vie. J'aime bien. Toi, tu vas préparer le fauteuil et moi, je filme ce gondou. Petit coin, j'en viens. Oh, tu peux faire ça sur moi? Oh. Inédit. Comment tuer son boss 2 avec Jennifer Aniston et Kevin Spacey, jeudi à 21h sur NT1. No need to. Savourez votre soirée cinéma avec Grilletine, la plus surprenante des biscottes. Rendez-vous devant votre film avec Récilume, recyclage des lampes en supermarché et magasin de bricolage. L'agenda spectacle cette semaine avec La Garçonnière jusqu'au 31 mai au Théâtre de Paris, Bodyguard à partir de février 2018 au Palais des Sports de Paris, Notre-Dame de Paris actuellement tournée en France. Gros plan sur Get Beauty Paris. Le premier salon des youtubeuses mode et beauté revient pour une deuxième édition au Parc Floral de Paris. C'est un événement de folie. On va dire que c'est un petit peu plus impressionnant que les fois précédentes. L'occasion de pouvoir rencontrer vos youtubeuses préférées, de participer à des animations toujours plus fun, mais aussi d'assister à des shows live. Get Beauty Paris, le 3 juin au Parc Floral de Paris. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? Auteur, compositrice, interprète, Vita partage avec succès à travers sa musique les histoires les plus intimes de sa vie. Après plus d'un million d'albums vendus, Vita nous surprend avec J4M, un nouvel album aux sonorités modernes et puissantes. Peine et pitié, écrit et composé avec Stromae, en est le nouvel extrait. C'est vraiment un album qui est puissant musicalement, qui est au croisement de la pop et de la musique urbaine actuelle. Et c'est l'album dont je suis le plus fière. Plus trop.